Bienvenue sur la chaîne du Club CEDAO. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon d'histoire qui va porter sur la grande organisation internationale. Il s'agit de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons décrire les étapes de la création de l'ONU, identifier ses objectifs et ses principes, et enfin apprécier le bilan de l'ONU depuis sa création. Sans plus tarder, abordons la première partie qui va porter sur la création, les objectifs et les principes de l'ONU, évoquant d'abord l'historique et les étapes de la création de l'ONU. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. À la fin de cette grande guerre, en 1918, les vainqueurs préconisent la création d'une structure internationale qui va se charger de veiller au maintien de la paix dans le monde. C'est ainsi que naît la Société des Nations la SDN. Mais l'incapacité de cette organisation à garantir la paix mondiale va en partie justifier la Deuxième Guerre mondiale qui va se dérouler de 1939 à 1945. Au cours de ce second conflit mondial, aux conséquences plus dévastatrices, les alliés qui luttaient contre les pays de l'Axe vont songer à mettre en place une autre organisation internationale qui va remplacer la défaillante SDN. Ils vont donc, à travers une série de rencontres et de conférences, poser les jalons de la future organisation, sa structure, son fonctionnement et ses attributions. Les principes généraux de création de l'ONU ont été posés par Winston Churchill, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, et Franklin Delano Roosevelt, le président américain, dans la charte de l'Atlantique signée le 14 août 1941 à Terre-Neuve, au Canada. C'est un document dans lequel ces deux dirigeants, face au régime fasciste et nazi, vont définir les valeurs et les principes défendus par les nations démocrates, à savoir la sécurité de toutes les nations, la liberté de choix de leur gouvernement, la renonciation à l'usage de la force, etc. Le 1er janvier 1942, les représentants de 26 États en lutte contre l'Axe proclament leur appui à la charte de l'Atlantique en signant à Washington la Déclaration des Nations Unies. Ce document marque la première utilisation officielle de l'expression Nations Unies suggérée par le président Roosevelt. En 1943, les Alliés, convaincus de leur prochaine victoire militaire, vont se concerter à plusieurs reprises pour aborder les questions pratiques relatives à la paix et à la sécurité internationale. C'est ainsi que dans une déclaration signée à Moscou le 30 octobre 1943, les dirigeants de l'URSS, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine vont préconiser la création d'une organisation internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité. À la conférence de Téhéran en Iran, le 1er décembre 1943, les trois premiers pays confirment l'idée d'une organisation mondiale fondée sur le principe de l'égalité et de la souveraineté de toutes les nations désirant la paix. En août-septembre 1944, les dirigeants des trois principaux pays vont se retrouver à Dumbarton Oaks aux États-Unis pour s'accorder sur les objectifs, la structure et le fonctionnement de l'organisation internationale. À la conférence de Yalta en Crimée du 4 au 11 février 1945, Roosevelt, Churchill et Staline vont statuer et s'accorder sur la procédure de vote au Conseil de sécurité, puis convenir de convoquer une réunion à San Francisco aux États-Unis pour adopter la charte de cette organisation. C'est ainsi que le 26 juin 1945, la charte de l'ONU est signée dans cette ville par 50 États, une charte qui comporte 111 articles consacrant l'égalité de souveraineté des États membres, mais l'inégalité des moyens et des responsabilités. Le 24 octobre 1945, l'ONU entre officiellement en fonction. Son siège est à New York, aux États-Unis. Après avoir présenté le contexte historique et les étapes de la création de l'ONU, nous allons maintenant identifier ses objectifs et ses principes. Mais avant tout, faisons la différence entre un objectif et un principe. L'objectif ou le but, c'est la mission qu'on se donne ou le résultat qu'on veut atteindre. Le principe... C'est une règle fondamentale qu'on se fixe dans cette perspective, une règle qu'on doit scrupuleusement respecter pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est donc le respect du principe qui permet d'atteindre l'objectif. Par exemple, un élève en classe d'examen se donne pour objectif de réussir son examen. Pour y arriver, il doit se fixer des principes, entre autres, réviser ses leçons, être ponctuel et assidu au cours, participer aux différentes évaluations, faire des recherches, etc. Le non-respect des principes qu'on s'est fixés ou leur violation ne permettra pas d'atteindre l'objectif visé. Ainsi en est-il des organisations en général et en particulier l'ONU. Quels sont donc les objectifs de l'ONU? Les objectifs de l'ONU sont entre autres maintenir la paix et la sécurité dans le monde, promouvoir et défendre les droits de l'homme, promouvoir le développement durable. Réaliser la coopération internationale sur tous les sujets. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs. Après avoir identifié les objectifs de l'ONU, énumérons maintenant ces principes. Nous avons, entre autres principes, l'égalité souveraine de tous les États membres, c'est-à-dire pas d'ingérence dans les affaires intérieures des États. Le règlement des différents internationaux par la voie pacifique en privilégiant le dialogue le respect de l'intégrité territoriale des États membres, l'application par tous les États membres des résolutions et sanctions adoptées par l'ONU, l'union des forces pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, analyser le fonctionnement de l'ONU. Identifions d'abord les organes constitutifs ou les principaux organes de l'ONU. Nous avons l'Assemblée générale. C'est l'organe de délibération des Nations unies qui regroupe les pays membres aujourd'hui au nombre de 193. L'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil de sécurité, du secrétariat ou des États membres. Chaque État membre dispose d'une voix pendant les délibérations. Les décisions prises n'ont aucun caractère contraignant. L'Assemblée générale vote le budget. Élit le secrétaire général, les membres et dirigeants des autres organes et institutions spécialisées. Elle se prononce sur l'adhésion de nouveaux membres. Après l'Assemblée générale, nous avons aussi le Conseil de sécurité. C'est l'organe exécutif des Nations unies. Il se compose de cinq membres permanents les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France, et de dix membres non permanents élus pour deux ans. Les cinq membres permanents disposent au sein de ce Conseil d'un droit de veto qui, faut-il le rappeler, est un droit qui leur est accordé et qui leur permet de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité peut se réunir à tout moment. Les décisions sont prises à la majorité simple en l'absence du droit de veto. Il intervient sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lorsque la paix est menacée, la réaction du Conseil de sécurité est graduelle. D'abord, des résolutions pour un règlement pacifique du conflit. En cas d'échec, des sanctions économiques ou militaires, c'est-à-dire des embargos, sont prises. Et le dernier recours est l'intervention armée par le déploiement des casques bleus. Un autre organe constitutif de l'ONU, c'est le secrétariat général. Le secrétariat général est l'organe administratif de l'ONU. Il est dirigé par un secrétaire général élu par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Son mandat dure cinq ans, renouvelable. Le secrétaire général assure l'administration générale de l'ONU, convoque l'Assemblée générale, attire son attention et celle du Conseil de sécurité sur toutes les situations qui nécessitent l'intervention de l'ONU. Nous avons aussi le Conseil économique et social. C'est l'organe de coordination de toutes les activités ayant trait à la démocratie sociale et aux questions économiques. Il est chargé de coordonner les activités des programmes et agences spécialisées des Nations Unies. Il est composé de 54 États élus par l'Assemblée générale pour trois ans et renouvelés par tiers tous les ans. Il est divisé en plusieurs commissions. Droits de l'homme, lutte contre la drogue, établissement des statistiques, etc. Un autre organe constitutif des Nations Unies c'est la Cour internationale de justice. C'est l'organe juridique de l'ONU qui se compose de 15 juges élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 9 ans et renouvelé par tiers tous les 3 ans. Elle règle les questions d'ordre juridique entre les États. Son siège est à la haie aux Pays-Bas. Enfin, nous avons un dernier organe constitutif qui est le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle a été créé pour superviser la gestion des territoires sous administration de l'ONU qui étaient des anciennes colonies afin de préparer leur accession à l'indépendance. Le Conseil de tutelle a été actif pendant 49 ans et en 1994, avec l'indépendance du dernier territoire sous administration de l'ONU, le territoire de Palau, cet organe principal a cessé d'exister. Après avoir présenté les principaux organes de l'ONU, Voyons maintenant les organes et institutions spécialisées. Identifions d'abord les organes à caractère social, culturel et humanitaire. Nous pouvons citer entre autres la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, créée en 1945, dont le siège est à Rome. Nous pouvons citer l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, créée en 1946, le siège est à Paris. Nous avons l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, créé en 1946. Le siège est à New York. Il y a aussi l'OIT, l'Organisation internationale du travail, créée en 1946. Le siège est à Genève. Nous avons également l'OMS, Organisation mondiale de la santé, créée en 1948. Son siège est à Genève. Nous pouvons citer aussi le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui fut créé en 1950. Son siège est également à Genève. Citons aussi le HCDH, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, créé en 1993, dont le siège est aussi à Genève. Évoquons maintenant certains organes à caractère technique. Nous avons l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, créée en 1947. Le siège est à Montréal. Il y a aussi l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique créé en 1957, dont le siège est à Vienne. Terminons cette deuxième partie par la présentation des organes à caractère économique. Ce sont des institutions internationales indépendantes qui font partie de la famille des Nations Unies. Elles sont financées à la fois par des contributions volontaires ainsi que par des contributions imposées dans le cadre des missions et activités des Nations Unies. Nous avons le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale créée à la conférence de Bretton Woods aux États-Unis en 1944. Leur siège se trouve à Washington. Nous avons également la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement créée en 1964 dont le siège est à Genève. La troisième et dernière partie de notre vidéo sera consacrée au bilan des actions de l'ONU. Analysons d'une part les réussites de l'ONU dans divers domaines et dans un premier point évoquant certaines réussites dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité. Dans le cadre de la prévention des conflits, depuis sa création, l'ONU a joué un rôle crucial en contribuant à assurer une médiation dans les conflits interétatiques et intraétatiques à tous les niveaux, avant qu'ils ne dégénèrent en conflits armés, après une flambée de violence et au cours de la mise en œuvre d'accords de paix. Ses missions de négociation et de médiation sont effectuées par le secrétaire général et ses représentants ou envoyés que ce soit à la demande des parties, à l'initiative du secrétaire général ou en réponse à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. L'ONU supervise et certifie des élections dans le monde. Elle parraine les accords internationaux sur le désarmement et la dénucléarisation par le biais de l'AIEA. Dans le cadre du règlement des conflits, l'ONU depuis 1948 a engagé plus de 70 opérations de maintien de la paix à travers le monde, dont au moins 12 sont actuellement en cours. Ces déploiements de forces militaires, les casques bleus, ont contribué à la stabilisation sociopolitique de plusieurs pays comme la Sierra Leone, le Liberia, la Croatie, la Bosnie, le Tadjikistan, le Salvador, etc. L'ONU a accompagné et facilité les processus d'indépendance dans le monde, dont les plus récents se sont déroulés au Timor-Oriental, en Asie du Sud-Est en 2002, et au Sud-Soudan le 9 juillet 2011. Les casques bleus de l'ONU sont régulièrement amenés à entreprendre des tâches complexes extrêmement diverses, contribuer à la mise en place d'institutions de gouvernance durable, surveiller le respect des droits de l'homme, aider à la réforme du secteur de la sécurité et faciliter le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants. Pour leur contribution au maintien de la paix dans le monde, les casques bleus ont obtenu le prix Nobel de la paix en 1988. Toujours dans le cadre du maintien de la paix, l'ONU impose souvent des embargos sur la vente des armes à des entités étatiques et à des acteurs non étatiques, les groupes rebelles dans des pays en conflit. L'ONU adopte souvent des mesures restrictives financières ou commerciales à l'encontre de personnes physiques, morales ou d'entités dans le cadre des processus de stabilisation et de maintien de la paix. Ces mesures prennent la forme d'interdictions et de restrictions au commerce de biens et de services ciblés avec certains pays, de mesures de gel des avoirs et ressources économiques et parfois de restrictions à l'accès aux services financiers. Après le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, voyons maintenant les réussites de l'ONU dans le domaine de la justice et de l'égalité des droits. L'ONU s'est fortement impliquée dans des processus de décolonisation dans le monde. Elle a contribué à l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. L'ONU engage des commissions d'enquête sur les crimes de guerre, comme c'est le cas au Libéria, en Bosnie, au Rwanda, au Cambodge, au Soudan, en Côte d'Ivoire, Etc. Son organe judiciaire, le Tribunal pénal international, TPI, juge les présumés responsables et coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. L'ONU et ses agences spécialisées s'engagent dans la lutte contre les arrestations arbitraires, les tortures, l'esclavage, etc. Terminons l'analyse des réussites de l'ONU par le domaine du développement économique et social. L'ONU, à travers ses institutions spécialisées, s'applique à promouvoir le bien-être social dans le monde. Le personnel dévoué du HCR travaille dans plus de 137 pays à travers le monde pour protéger et assister les réfugiés, les communautés déplacées et les apatrides. La FAO et le PAM interviennent régulièrement dans les pays en guerre ou menacés par les catastrophes naturelles. L'UNICEF améliore à l'échelle mondiale les conditions de vie des enfants assurent leur scolarisation et la défense de leurs droits. L'UNESCO contribue énormément à la restauration et à la protection des patrimoines culturels et naturels dans le monde. Grâce aux huit objectifs du millénaire pour le développement, OMD, adoptés en 2000 sous l'égide de l'ONU, l'extrême pauvreté a été réduite dans le monde de façon significative. La lutte contre le VIH-Sida intensifié, l'éducation primaire est fortement promue. Aujourd'hui, avec les ODD, objectifs du développement durable, l'ONU a largement contribué au progrès de l'égalité homme-femme et surtout à l'autonomisation de la femme, à la protection et à la promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Après avoir analysé les réussites de l'ONU dans divers domaines, nous allons d'autre part exposer ses limites ou insuffisances dans certains domaines. D'abord, au plan politique, l'ONU n'est pas démocratique avec le droit de veto qui donne des pouvoirs absolus aux cinq membres permanents, ce qui est contradictoire au principe d'égalité des États membres. L'usage abusif du droit de veto paralyse le bon fonctionnement de l'organisation. Dans un monde aujourd'hui multipolaire, avec l'émergence de nouveaux pôles d'influence, étatiques ou régionaux, La représentativité actuelle du Conseil de sécurité est de plus en plus critiquée par plusieurs pays, dont le Japon et l'Allemagne, les pays émergents et ceux en voie de développement. Voyons maintenant les insuffisances dans le domaine de la sécurité internationale. L'ONU a montré des limites dans sa politique de maintien de la paix dans le monde. Un de ses échecs les plus manifestes fut son incapacité à empêcher le génocide de rwandais de 1994, la multiplication des foyers de conflit dans le monde au Yémen. En Syrie, la crise israélo-palestinienne, en RDC, en Libye, en Ukraine, etc., est une illustration de l'échec des Nations Unies à garantir la paix internationale. La prolifération des mouvements terroristes, État islamique, Boko Haram, Akhmi, Al-Shabaab, Al-Qaïda, etc., témoigne aussi de l'incapacité de l'ONU à maintenir la sécurité internationale. La violation des embargos onusiens sur les armes et la menace nucléaire permanente de la Corée du Nord et de l'Iran sont autant de défis auxquels l'ONU est confrontée dans le domaine de la sécurité internationale. Terminons l'analyse des limites par le domaine économique et social. Les catastrophes naturelles et les conflits de grande ampleur ont montré l'incapacité de l'ONU à coordonner dans l'urgence des actions humanitaires conformes aux besoins. On l'a vu en Haïti au Sud-Soudan, au Yémen, en Syrie, en Turquie, etc. Les rapports de la FAO font constamment état de la progression de la famine dans plusieurs régions du monde, la persistance dans le monde des discriminations raciales, de la persécution des minorités ethniques et religieuses, comme c'est le cas des Rohingyas en Birmanie témoigne aussi des insuffisances des Nations unies dans le domaine social. L'ONU est longtemps restée inerte face à la problématique des traitements inhumains des migrants africains en Libye et leur péril dans la traversée de la Méditerranée. L'ONU n'a pas réussi à imposer aux pays riches la contribution de 1% de leurs revenus pour financer l'aide dans les pays en voie de développement. Elle n'a pas non plus réussi à éviter le lourd endettement des pays en voie de développement qui s'éternisent dans la pauvreté. Et la misère. L'ONU est confrontée à des difficultés financières. Ses charges de fonctionnement sont lourdes alors que de nombreux pays ne sont pas à jour de leurs cotisations. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo sur l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. J'espère qu'elle vous a permis de renforcer davantage vos acquis sur cette leçon d'histoire. Merci de votre aimable attention et pour ne pas rater les autres vidéos en cours de conception. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche. N'oubliez pas de nous faire part de vos observations et appréciations en commentaire. Tous nos cours et tests de connaissances pour le renforcement de vos acquis sont toujours disponibles sur notre site web www.clubcedao.com. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo.